Hello tout le monde, on se retrouve comme tous les jeudis pour une nouvelle vidéo de votre émission préférée, Pépé Love. Notre couple du jour réside à Yamoussoukro. Il s'agit d'Amakié Dolores, 31 ans, et Atsé Fabrice, 35 ans. Ils sont tous deux chrétiens et membres de la communauté Vase d'Honneur. D'ailleurs, c'est à cette église que je vous envoie pour la cérémonie religieuse. Bouquet de fleurs rouges. C'est une première dans Pépé Love et ça change un peu de l'éternel bouquet de fleurs blanches. Très joli en tout cas. C'est le pasteur Haïté qui aura la charge de procéder à la bénédiction nuptiale. Est-ce que vous nous promettez de l'aimer, de la protéger, de prendre soin d'elle et de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le promets. Vous avez décidé de devenir l'épouse de Monsieur Bédard Fabrice Ulrich Atsé, ici présent. Oui, je le veux. Dolores, ton oui était bien timide, hein? Donc, je répète, Amakié Dolores, Evelyne, est-ce que tu acceptes de devenir l'épouse, la seule légitime, unique et éternelle épouse de Monsieur Bédard Fabrice Ulrich Atsé ici présent? Oui. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Amen. Tano, qui est symbole de notre amour. Et dorénavant, je t'aimerai aujourd'hui et demain pour toujours. Comme j'ai pour habitude de t'appeler mon papa, je te donne cet anneau en guise de mon amour pour toi, de ma fidélité et de l'aide que je vais t'apporter pour toute la vie. La cérémonie religieuse est un moment hautement important pour le couple du point de vue spirituel. À cette étape, ils sont unis devant Dieu, le pasteur dit des paroles de bénédiction afin que le couple soit fécond, prospère et que leur vie conjugale soit fondée sur la parole de Dieu. Merci de les unir aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, ils rentrent dans les liens sacrés du mariage. Est-ce que tu te souviens de la première fois? Je t'ai dit que tu seras ma reine et je serai ton roi. Et même si je ne sais pas si je suis celui qu'il te faut, je te promets de t'aimer malgré tes défauts. Les mariés vont s'installer. Fabrice, quelle galanterie! J'aime beaucoup les roses rouges dans le fond. Elles reflètent généralement la romance et la passion. Apparemment, la couleur rouge est la couleur dominante du mariage. Je vous assure que j'aurais pu assister à ce mariage incognito grâce à ma chemise. En même temps, je trouve que c'est une couleur facile à trouver, donc c'est un bon choix. Allez, je vous laisse avec les belles images des mariés savourant leur champagne. Allez, bye bye. Avec moi, tu fais le bon choix, tout ira bien. Listen, Starfire, tu m'as dit.
fuck with me.